for the national anthem of Senegal, performed by pupils from École Saint-Pierre Julien Aymar. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 12th International Language and Development Conference. My name is Dawn Long and I'm Director of the British Council here in Senegal. For those of you who are not familiar with the British Council, we're the UK's international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with, changing lives by creating opportunities, building connections, engendering trust. We work with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education, and civil society.
Language has always been a prominent part of the British Council's work across the world. And whilst our direct interest has been in the English language, we are very conscious of the need to set English in a much wider linguistic context. We promote English as a language in addition to and not instead of other languages spoken by individuals. The British Council is delighted to be associated with the Language and Development Conference series. This is a long-standing association, and I would like to thank the conference trustees for placing their trust in us. We hope that this conference reflects their vision and helps to highlight the importance of language as a development issue. Each conference builds on what has gone before, and I think it's fair to say that the series is going from strength to strength. Over the next few days, we'll hear from over 100 international speakers and experts representing some 40 different countries. I think this is an indication of the level of interest in the area of language and development. We're particularly pleased to be hosting the conference on the African continent, the third time in the history of the conference series, the last time being in Cape Town in 2013. I know many of you attend these conferences on a regular basis, and I would like to thank you for your continued support. I would also like to extend a very warm welcome to those of you who are attending for the first time. I would now like to invite one of the conference trustees, William Savage, to share with you something of the history of the series. William is an independent consultant working with humanitarian organisations. William. Respected guests and esteemed participants, and welcome once again to the 12th Language and Development Conference on the timely theme of language and the Sustainable Development Goals. In the midst of the first of these conferences, in April 1993, so we can all kind of think about where we each were in 1993, 24 years ago, at the Asian Institute of Technology near Bangkok, Thailand, I was approached by Jeffrey Cruz and Tony Crooks of the Indonesia Australia Language Foundation in Jakarta and Bali. It was on day two of the conference, and I was one of the organizers, and so people approaching the organizer is always a moment. They asked me if we plan to organize a next conference. Following my emphatic response that it had not occurred to us yet, even to think about it, they offered to hold a second one in Indonesia. I immediately replied with something like, "We'll be there." And thus began the series tradition of interested organizations and their partners joining with the momentum, coming up with a relevant theme, and hosting another conference in the series. 24 years later, I am grateful to be here as a representative of the current group of trustees, all of whom were involved with particular past conferences in 11 countries in Africa and Asia. Also present with me are fellow trustees Hal Coleman. Hal, where are you? Hello. John Nag. John, there you are. And Sozinho Matsine. Sozinho, where are you? So we're out there. Yes. Okay. And we invite you to a Meet the Trustees session
tomorrow from 5 to 6 p.m. to talk about the series and its future. And for carrying on in the spirit of the Language and Development Conference series in the present, all of us are deeply appreciative of the British Council and its Senegal office, the conference staff, the Senegal Ministry of Higher Education, Research and Innovation, and Ministry of National Education, CODESRIA, the International Organization of La Francophonie, SIL, SOAS at the University of London, and UNESCO. May all of us have a wonderful and productive experience of these 3 days together in Dakar. Merci beaucoup. British Council et les administrateurs de la série sont ravis de cela. Grâce à l'OIF, nous sommes heureux d'accueillir 11 experts du programme École et langue nationale en Afrique et langue. En voie de la part de l'OIF, j'invite M. Amidou Seydou Hanafiou de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation à prendre la parole. M. Hanafiou. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Madame la représentante du système des Nations Unies à la Grande-Bretagne, excusez-moi. Merci, Monsieur le ministre. Ok, merci bien. Mesdames et messieurs, Madame la directrice du British Council au Sénégal, je vais me concentrer pour ne pas encore dire une... Mesdames et messieurs venus de du monde entier pour participer à cette rencontre autour de la langue et de développement, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, qu'il me soit permis, au nom de Monsieur l'administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie, Monsieur Adama Wan, dont vous connaissez certainement l'apport important à la réflexion de haut niveau sur les questions de langue et de développement, au nom du directeur de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation basé à Dakar, de remercier très chaleureusement les organisateurs de cette importante rencontre pour avoir associé la francophonie à cette conférence dédiée à la langue et au développement. Il n'est point besoin de vous rappeler que la francophonie est fondée sur le principe de base d'une langue en partage qui est la langue française. Cela dit, notre organisation fait également sienne le respect de la diversité linguistique. C'est pour cela que nous parlons en francophonie de langue partenaire du français, pour parler des autres langues parlées dans l'espace francophone. Cette vision s'inscrit en droite ligne du fait que pour nous les langues, le français et les autres langues sont au cœur du développement en général et de l'épanouissement des hommes et des femmes qui, pour la plupart, parlent plus d'une langue. C'est à ce titre que Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, Son Excellence Michaël Jean, considère que, et je cite, « Nous sommes l'une des rares organisations internationales à valoriser les langues nationales au même titre que la langue en partage. Pour nous, c'est le français avec toutes les autres langues qui viennent la féconder et vice-versa. Et cela fait des êtres beaucoup plus riches et beaucoup plus épanouis. » Fin de citation. La francophonie, qui compte 80 États et gouvernements membres, travaille depuis plusieurs années à faire de la langue, disons plutôt des langues, un vecteur d'épanouissement. Cela à travers principalement leur utilisation dans le secteur de l'éducation, en lien avec les engagements pris au cours de différentes rencontres internationales au cours desquelles il a été suffisamment démontré le lien étroit entre la qualité de l'éducation et les langues d'enseignement. Notre engagement à ce niveau s'est traduit récemment par la création de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation qu'abrite le Sénégal et dont les locaux ont été inaugurés récemment le 12 octobre dernier
par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et la secrétaire générale de la Francophonie. Cet organe subsidiaire concentre l'essentiel de nos programmes en charge des questions d'éducation et de formation. Son rôle principal, aux côtés d'autres structures de la francophonie, comme la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la CONFEMEN, et de nos partenaires, est d'accompagner les pays membres dans le travail important pour la qualité de l'éducation, ce qui inclut la dimension langue d'enseignement. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout ceci pour vous dire, si besoin est, que les objectifs de la présente rencontre cadrent bien avec nos préoccupations et nos agissons, pour qu'ensemble nous puissions créer, à travers un partenariat fort, les conditions d'une éducation équitable et inclusive, gage de paix et de justice. La francophonie sera présente dans les débats sur les thématiques retenues au cours de cette rencontre à travers les représentants des 11 pays partenaires de l'initiative École et Langues Nationales. Parmi eux, des professeurs d'université, des spécialistes de langue, des responsables de l'éducation en charge des réformes curriculaires en cours, réformes qui accordent une place de choix aux langues d'enseignement et aux compétences linguistiques des enseignants. Je ne saurais donc terminer mon propos sans renouveler aux organisateurs toute la reconnaissance de la francophonie. Je souhaite donc, au nom de la francophonie et donc des responsables de la francophonie, plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre attention. As you know, in September 2015, the United Nations adopted the new Sustainable Development Goals. 2 years on, this conference provides a timely opportunity to explore the role of language in achieving these goals. These are explored through the three conference sub-themes: multilingualism, for quality, equitable, and inclusive education; language skills and sustainable economic growth; communication, peace, and justice. Given the theme of the conference, I'm delighted that the United Nations Resident Coordinator, Ms. Priya Gajraj, is able to join us for the opening ceremony. Ms. Gajraj has only recently taken up post here in Senegal, and before coming to Senegal, she was UNDP Country Director in the Democratic Republic of Congo. She has over 15 years' experience of strategic leadership, program management, and advisory support in Africa, Asia, and the Middle East. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation et des Ressources humaines du Mozambique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Madame Dawn Mong, directeur du British Council, Monsieur William Savage, conseil d'administration des conférences sur la langue et le développement, Monsieur Anafiou, organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, chers invités, au nom du système des Nations Unies au Sénégal, je suis honorée de participer à l'ouverture de cette 12e conférence internationale sur la langue et le développement à Dakar. À travers le monde, l'agenda 2030 reste le meilleur outil de la communauté internationale pour construire un monde de prospérité, de paix et de développement pour tous. Les 17 Objectifs de développement durable, ODD, sont l'expression d'une vision partagée, globale et transformative pour changer le monde et améliorer le bien-être de toutes les populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants,
À l'occasion de cette conférence, mon premier message est le suivant. La notion d'inclusivité est au cœur de l'agenda 2030 et de l'articulation entre la langue et le développement. Le principe central des ODD, de ne laisser personne de côté, doit nous guider pour atteindre les plus vulnérables, les plus pauvres, les laissés pour compte et les plus difficiles à atteindre. Cette inclusivité doit être au centre de notre réflexion sur la langue et le développement à travers l'ODD 4 qui assure une éducation inclusive et de qualité pour tous, l'ODD 8 qui cherche à promouvoir une croissance économique inclusive et durable, et l'ODD 16 qui cherche à promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Pour concevoir des stratégies de développement inclusive, il faut impérativement réfléchir sur les populations laissées pour compte. Pourquoi sont-elles exclues? Dans un continent africain où le taux d'analphabétisme reste encore trop élevé, la langue peut être un des facteurs de la non-participation au processus de développement. Cette conférence est donc une réelle opportunité d'explorer le rôle de la langue dans toutes les dimensions du développement. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, les langues expriment ce que nous sommes. Elles structurent nos pensées et nos identités. Il ne peut y avoir de dialogue authentique ni de coopération au développement efficace sans le respect de la diversité linguistique. Mon deuxième message aujourd'hui est donc celui-ci. L'apprentissage des langues est fondamental à la paix, à l'innovation, à la créativité et au développement durable. L'éducation et l'information dans la langue maternelle sont primordiales et parmi les plus puissants moteurs de développement. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle en 2017, l'UNESCO lançait un appel pour que le potentiel de l'éducation multilingue soit reconnu partout. Plus nous saurons valoriser les langues, plus nous aurons d'outils pour construire un avenir de dignité pour tous. Valoriser les langues permet d'élargir les possibilités de développement, que ce soit en termes de croissance, d'emploi, de santé ou de changement climatique. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, en conclusion, permettez-moi de remercier très sincèrement les organisateurs de cette conférence, en particulier le British Council et le gouvernement du Sénégal, qui est notre hôte, pour avoir convié cette diversité d'acteurs à cette réflexion stratégique sur la langue et la communication comme base d'un développement pour tous. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer toute la disponibilité et la volonté du système des Nations Unies à soutenir l'agenda 2030 et améliorer le bien-être des populations à travers le continent et au Sénégal en particulier. Je vous remercie. Who is one of our strategic partners? And I would like to take this opportunity to thank all of the strategic partners for their support. In particular, I'd like to thank members of the Programme Committee. We very much appreciated their insight and guidance and help in shaping the content of the programme. I'd like to thank them for their time, energy and commitment. So a thank you to Sozinho Matinye from CODESRIA, Ian Cheffey from SIL, Professor Jiang from the Ministry of Higher Education, Research and Innovation, Tam Ben Gong from the Ministry of National Education here in Senegal, Frederica Lupe from SOAS University of London, Hamidou Seydou Hanaviou from the International Organization
of La Francophonie, and Akemi Yonimura from UNESCO. So thank you all. There are some other people I need to thank. I'd like to take this opportunity to thank some British Council colleagues responsible for actually making this conference happen. So I'm going to ask them to come to the front because I think you've all been in touch with them by email, and I think it's quite important to put a face to your name. So can I have Philip, Joe and Libby here? There. What was responsible for bringing the conference here to Senegal in the first place. So we're really pleased she was able to join us here today to see the results of those of her efforts and all that initial work. Libby? Then at the end we have Jo Frayn, the conference director, who has, I can assure you, been working tirelessly behind the scenes to make this conference a success. And finally, Philip Harding-Esch, who's been responsible for putting together such a coherent, structured, and of course, interesting programme. So thank you all, and thank you to the rest of the British Council team and all of the volunteers. I would now like to invite the British Ambassador to Senegal, George Hodgson, to say a few words. He's been Ambassador since July 2015 here in Senegal, and has previously served in Washington, Kabul, Islamabad, Brussels, and London. The Ambassador will share with us some thoughts on English in a multilingual context, from a UK perspective, as you would expect. So, Ambassador. De l'enseignement supérieur et de la recherche. Son Excellence Monsieur le Vice-ministre de l'Éducation et des Ressources humaines du Mozambique. Madame la coordonnatrice résidente des Nations Unies. Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie. Monsieur l'originateur de la série de conférences sur la langue et le développement, Madame la directrice du British Council, Monsieur le représentant de l'UNESCO ici au Sénégal, Messieurs et Madame les recteurs, Mesdames, Messieurs, chers participants, bonjour et soyez les bienvenus à la 12e conférence internationale sur la langue et le développement. Il est bon de voir que la deuxième édition de la conférence, en sa forme actuelle, a été organisée en Afrique, le continent présentant la plus grande diversité linguistique et dans lequel est parlé un tiers des 6000 langues du monde. Le Sénégal seul compte plus de 30 langues. Mais le multilingualisme n'est pas bien sûr spécifique à l'Afrique. L'Europe est un vibrant espace multilingue avec quelque 300 langues parlées. Le Royaume-Uni a ses propres langues locales, le gallois, le gaélique, l'écossais, l'irlandais, l'écossais d'Ulster et le cornouaillais sont tous reconnus comme des langues minoritaires ou régionales. Nous avons également l'anglais. D'une certaine façon, les Britanniques ont de la chance que l'anglais soit une langue
véritablement mondial. Ceci dit, la prédominance de l'anglais peut également être considérée comme un inconvénient. Il peut décourager les Britanniques en les incitant à ne pas apprendre d'autres langues. Ce qui signifie qu'ils ratent tout ce que l'apprentissage d'une autre langue peut offrir, tant d'un point de vue pratique que culturel. En Grande-Bretagne, plus d'un million d'élèves sont bilingues. Rien qu'à Londres, 233 langues sont parlées par les élèves de la capitale. Moi-même, j'ai fréquenté une école primaire du centre de Londres où la plupart des élèves ne parlaient pas l'anglais avec leurs parents à la maison. J'espère que le Royaume-Uni tirera des leçons des efforts qui feront l'objet de discussions pendant cette conférence pour conférer le statut qui leur est dû aux langues non européennes et aux langues régionales et minoritaires. Donc l'anglais est une langue mondiale, parmi d'autres. Il ouvre effectivement des portes et crée des opportunités. Par ailleurs, il existe pour la plupart de fortes motivations qui incitent les personnes à maintenir des liens personnels avec leur communauté et leur histoire, ce qui est d'une importance capitale. Le défi consiste à trouver le juste milieu. Nous devons veiller à ce que l'ensemble de nos populations aient accès aux opportunités qui se trouvent au-delà de nos frontières. Toutefois, nous devons également magnifier la diversité linguistique, nous devons magnifier la diversité culturelle et nous devons magnifier la diversité identitaire. Dans l'esprit de cette conférence, mi doani mone yotere welnde. Autrement dit, Nawartan ni Gwinehe. Ou bien, si vous préférez, arrête de chercher le voir. Merci beaucoup de votre attention. Council's position. And this is something that has evolved, particularly over the last 5 years. In fact, at this conference, we're launching a position paper. It's entitled English Language and Medium of Instruction in Basic Education in Low and Middle Income Countries, a British Council perspective. The key message in this publication is that the British Council does not endorse English medium instruction in primary schools in low middle income countries. We believe that there is little or no evidence of EMI working at this foundational level of education. So, whilst I'm talking about British Council publications, I'd also like to take the opportunity to mention another British Council publication called English Across the Fracture Lines. And this looks at contexts around the globe where English is being used and taught as a means of alleviating conflict and promoting security, stability, and peace. We're delighted to be able to host the conference here in Senegal. It's known as the Land of Taranga, which loosely translated in Wolof means hospitality. And I hope those of you who arrived over the weekend have had a chance to discover something of what Dakar has to offer. We're very pleased that the Minister of Higher Education, Research and Innovation is able to join us here today as guest of honour. Before taking up post as Minister in 2012, he was Rector of the University of Gaston Berger in Saint-Louis. As well as being a well-respected mathematician and scientist,
He's also a lover of literature and a writer. He's a passionate advocate of African languages. In fact, when rector of the university, he set up a centre to promote African languages. I would like to thank the Minister and his team for all their support and help. It really is very much appreciated. We couldn't have delivered this conference without their support. So I would now like to invite Professor Marie Tong Yang, Minister of Higher Education, Research and Innovation, to formally open the conference. Monsieur le vice-ministre de l'Éducation et des Ressources humaines du Mozambique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, Excellence, Madame la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO à Dakar, Monsieur l'initiateur des conférences sur le langage et la langue, Madame la directrice du British Council, Mesdames, Messieurs les recteurs, les directeurs généraux de la recherche et de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les recteurs, directeurs, chers collègues enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves et d'étudiants, chères participantes, chers participants à ce colloque, honorables invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Le Sénégal a l'honneur d'être le premier pays francophone à recevoir la conférence internationale sur le langage dont la présente édition est la 12e. Le partenariat entre le British Council et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'organisation de cette rencontre illustre amplement l'excellence de la qualité de relations entre le Royaume-Uni et le Sénégal, particulièrement dans le domaine de l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, je pourrais citer le projet d'enseignement de l'anglais à de grands effectifs piloté de concert par le British Council et l'Institut sénégalo-britannique d'enseignement de l'anglais. Je remercie au passage Madame la directrice du British Council pour son engagement sans faille pour la réussite de ce projet. Je saisis l'occasion que m'offre la cérémonie de ce matin pour adresser mes sincères et chaleureux remerciements à son Excellence, l'ambassadeur du Royaume-Uni, qui ne ménage aucun effort pour le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Grande-Bretagne. Sous son impulsion, nous avons pu ensemble mener à bien tout un ensemble de projets dont celui-ci. Je remercie et souhaite la bienvenue à tous les chercheurs et experts venus du monde entier pour séjourner au Sénégal et à l'occasion de ce colloque, rencontrer d'autres chercheurs qui travaillent pour le rayonnement de la science. J'apprécie qu'ils aient pu se distraire de leur important engagement pour venir au Sénégal nous faire bénéficier de leur crédit scientifique en ajout à celui de la forte communauté scientifique qui travaille sur les questions liées aux déterminants du développement durable et les langues. La rencontre qui nous réunit ce matin a pour thème une problématique d'une grande importance, à savoir la langue et les objectifs de développement durable. Il s'agit sans doute d'une des questions essentielles que pose le développement. Elle n'est pas nouvelle, mais elle a d'abord été prise en charge par l'anthropologie coloniale classique qui est parvenue sur la base de présupposés et préjugés à faire accepter une hiérarchie entre les sociétés selon qu'elles sont de culture écrite ou de tradition orale.
En réalité, toutes les sociétés sont à la fois de tradition orale et de culture écrite. Ce qui les distingue, c'est la prééminence conférée à un de ces aspects en raison parfois de la circonstance accidentelle liée à des rencontres entre les imprimeurs et les savants. La langue, dans tous les pays, est un déterminant dans la transmission de la connaissance. Cette connaissance est transmise par voie écrite ou orale. À présent, à ces deux modes, on ajoute l'image. On réalise alors que nous sommes à présent au cœur des innovations technologiques. Nous devons repenser dans cet environnement en perpétuel changement et en tenant compte de la géolinguistique éclatée dans la plupart des États du monde, le rôle des langues dans le développement. Ce thème nous invite à redonner au langage la place qui lui revient. En effet, le langage participe à la construction même de l'être. Loin d'être un instrument dont le rôle se limiterait simplement à traduire des pensées, des émotions, le langage n'est ni extérieur, ni secondaire par rapport à la réalité. Il est le tissu dans et par lequel se construisent notre être et notre pensée. Les mots et les choses sont indissociables et constituent, pour ainsi dire, le recto et le verso d'une même réalité. C'est pour cette raison que le langage intervient dans nos projets de société, dans le choix du type de société et du type de citoyen que nous voulons promouvoir. Les idées comme les choses doivent être nommées dans notre espèce, dans nos disciplines respectives et dans nos micro-sociétés, il y a une prédétermination du contenu et du sens des éléments de langage. Ce sont des codes, des conventions. Tout repose sur un consensus. La langue est un instrument d'accès au savoir. La langue est aussi un facteur d'exclusion pour l'accès au savoir. Le Sénégal l'a bien compris en introduisant les langues nationales au sein de l'Assemblée nationale. Des recherches importantes ont été menées pour mettre en évidence cette forme de continuité scientifique à l'œuvre dans nos différentes langues. Il y a une détermination à construire une société ouverte, inclusive, dans laquelle chaque citoyen peut trouver sa place et s'exprimer. Nous choisissons de faire de la diversité de nos langues un véritable levier de développement social, culturel et économique, ainsi qu'un mode privilégié d'affirmation de notre identité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le Sénégal a fait le choix, dans le cadre des réformes du système d'enseignement supérieur, de réorienter l'enseignement vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. Il est vital pour nos pays de former des ingénieurs, des polytechniciens, des médecins, des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés. Mais il est aussi essentiel de continuer à avoir une masse critique de chercheurs capables de réfléchir au sens de retour sur soi, sur les éléments de notre identité, les déterminants de nos réussites, ainsi que les conditions sociolinguistiques et géolinguistiques de notre développement. Vous mesurez dès lors tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde aux travaux que vous allez mener pendant les trois prochains jours. Les conclusions auxquelles vous allez aboutir permettront de mieux mettre en perspective les politiques d'éducation et de formation initiées par Son Excellence le Président de la République Macky Sall pour doter le Sénégal de ressources humaines aptes à porter et à mettre en œuvre le plan Sénégal émergent. Le département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, dont j'ai l'honneur de diriger,
sera particulièrement attentif à vos recommandations. Je sais qu'il y a eu un travail important qui a été réalisé pour que nous puissions organiser cette manifestation. Je voudrais remercier et féliciter chaleureusement, à la suite de Madame la Directrice du British Council et de Son Excellence l'Ambassadeur de Grande-Bretagne, le comité d'organisation du colloque, et j'en profite pour remercier tout particulièrement une de ses membres éminentes, le professeur Ramotoulaye Diagmeng, qui est conseillère technique au sein de mon département pour encore quelques jours avant d'assumer les fonctions de première femme recteur de l'Université de Thiès au Sénégal. En réitérant mes voeux de bienvenue au pays de la Teranga, aux participantes et participants, et de succès à vos travaux, j'ai le plaisir de déclarer ouvert le colloque international sur le thème « La langue et les objectifs de développement durable ». Je vous remercie de votre attention. Thank you, Minister. This draws the opening ceremony to a close. We'll now have a short break, and the tea and coffee will be served just outside the conference room. Following the break, we'll hear from our first keynote speaker, Colin Gité, on health, the economy, and language in Africa. I hope you enjoy the conference and the opportunity to contribute to moving forward the thinking on language and development. Thank you for your attention.